Coucou! Vous le savez peut-être pas, mais c'est la deuxième fois que je fais l'intro parce que j'avais oublié d'enregistrer. Donc aujourd'hui on est de retour sur Mode Phaser. Pourquoi cette longue absence? Déjà parce que je ne suis plus chez ma grand-mère. J'ai changé de décor. C'est absolument pas vrai, j'ai emménagé dans un nouvel appartement. Bon, c'est un peu le bordel. C'est complètement le bordel en fait. Mais je promets que de temps en temps je range quand même, je suis pas non plus un énorme porc. Donc voilà pourquoi cette longue absence, c'est parce que l'université avait commencé, j'avais intégré ma carrière d'ingénierie multimédia, chose où je me suis rendu compte que ça ne me plaisait absolument pas. Donc j'étais dans un moment de réorientation, qu'est-ce qui était le plus susceptible de me plaire. Aussi il y avait le truc de l'auto-école, je me suis inscrit, je suis en train de réviser. Là, il y a la réorientation, j'ai pas une thune, donc peut-être faire un travail. Voilà, c'est beaucoup d'enchaînements qui sont pas ouf. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'il y a quand même du positif. Au niveau de l'argent, j'ai trouvé la solution, je vais devenir YouTuber. Mais voilà, même ça, j'ai eu des bâtons dans les roues. Parce que Mad Phaser, c'est un let's play que j'aime bien tourner. Et je ne pouvais pas le faire pour une simple et bonne raison. C'est que j'ai une baie vitrée qui est énorme. D'ailleurs, ça serait bien que je la lave parce qu'il y a des traces de doigts partout. Il y a une baie vitrée qui est énorme et qui fait un énorme contre-jour sur ma gueule. Voilà, là, vous allez avoir mon setup de comment j'ai arrangé la compensation du contre-jour. Ah, et au fait, un truc qui est pas très important pour vous. On a pensé à adopter un chat, donc on hésite entre trois en ce moment. Il y en a un qui a malheureusement quitté la piste. On est en train de faire tout notre possible pour pouvoir les adopter. Donc je vous mets des photos ici, par là. Bah, j'espère pouvoir en avoir un, parce que comme ça je pourrais le mettre à la cam. Je pourrais faire des pranks avec mes animaux ou des vidéos et ça va augmenter le nombre de vues. Je vais devenir riche et célèbre. Donc voilà, sans plus attendre, je pense qu'on peut démarrer le let's play. Donc, bah, nous revoilà sur le jeu. Je vais être honnête, je me souviens pas trop ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Je me rappelle juste qu'on avait pris la tronçonneuse, je crois. Ou alors ça a pas sauvegardé. Ou alors j'ai pas sauvegardé. Ah non, ok, j'ai sauvegardé. Mais comment on l'active déjà? Attendez. Hein. C'est pitoyable comme scène, mais je suis en train de faire toutes les touches. Attendez. Non. Ok, c'est avec C. Donc, voilà. Donc voilà, la dernière fois, on avait pris une tronçonneuse, justement. Ça nous permettait de casser les portes comme celle que je viens de casser maintenant. Et ça va nous permettre d'avancer un petit peu dans l'histoire. Oh non, c'est décevant. Ah, le chien est plus là. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, ici il y avait un chien qui était en train de manger et justement on pouvait pas récupérer ce qu'il y avait ici. J'espère que c'est pas une gemme, c'est une gemme, donc je ne vais absolument pas avancer dans l'histoire. Je vais mettre mes lunettes parce que je suis un peu aveugle comme une taupe. En plus, je sais pas si ça se sent à ma voix, mais je suis complètement malade. Je tousse comme un dératé. Là, je sais pas pourquoi je ne tousse pas. Je crois que c'est pour me faire mentir. J'ai mal à la gorge et j'ai le nez qui est complètement bouché en plus d'avoir mal à une dent de sagesse, donc vraiment ça va pas trop en ce moment. Je recadre la caméra. Ah, et au fait, un truc super important aussi, j'ai pété un de mes deux écrans. Donc du coup là je suis en train d'utiliser un écran qui est déjà pas du même format que l'autre. Et en plus ça faisait partie d'une télé qui était déjà meublée dans l'appartement. Donc voilà, on passe à un excellent moment aujourd'hui. Bon bref, le let's play. Alors, ces poupées, elles n'étaient pas là avant. Rebonjour maîtresse. Je peux les flinguer? Ok, j'ai pas le... Je peux pas. Il y en a une qui a tourné la tête, là. Ah non, elle a perdu son bras. Bah, je peux t'aider, moi. Ta mère. Je dois passer pour une giga chauchotte, mais ce genre de truc, ça me surprend vraiment. Je sais pas pourquoi je fais un... Attends, je vais partir, il va se passer une couille. À tous les coups. Je reviens, elles sont plus là, elles sont mortes. Voilà. Oh, bonjour maîtresse. Et pourquoi il y a du sang qui sort de la poupée? Attends. Ça a l'air de tomber du plat. Ah non, c'est elle! Mise au feu. Oh, quelle horreur. Mais ça, tu vois, c'est des événements, je sais pas quoi faire avec.
Parce que il y a forcément un truc que je dois faire. Ça doit pas arriver pour aucune raison. Alors attends, parce qu'il y a le truc des missions. Qu'est-ce que je dois faire? Explore l'underground maze to save Father. Ah oui, parce qu'il y a le daron. Il s'est fait kidnapper par l'esprit de la mère. Et il faut absolument le retrouver et aider la fille qui a perdu ses yeux. Bah écoute, sans problème. Moi, je suis là pour aider. J'adore aider les gens, les esprits que je... Elle a tourné la tête. Ah putain, c'est moi qui ai cassé. Ok. Je peux casser ça? Putain, mais il me donne une tronçonneuse et je peux pas l'utiliser, frère. Laisse-moi toucher à tout. Alors, le jardin. Donc, cette maison-là, elle était un peu abandonnée. On est passé par le... Bah, du coup, le labyrinthe souterrain. Je pense qu'il y a quelque chose que je pouvais casser en haut. Donc, ces caisses, on peut pas parce qu'elles sont complètement barricadées. La loi du jeu vidéo, j'ai envie de vous dire. Ça, je peux le casser? Non. Là, j'ai tout cassé. J'ai cassé ça, j'ai cassé ça, j'ai cassé ça. Les tonneaux, est-ce que je peux les casser? Je peux pas. Une pile de tonneaux, les casser devraient être dangereux. Super, ben voilà, je peux rien faire. Ça, c'est toujours pour les tonneaux. Ça, je peux pas y toucher. Donc, pourquoi tu parles? Non. Ne nous énervons pas. L'encyclopédie du charme. Alors, le sort, l'enchantement de bonne chance. Si tu veux ce que tu aimes, si tu veux que ce que tu aimes soit heureux, pour ça, un enchantement de bonne chance fait le tout. Tout ce que tu as besoin, c'est d'une seule chose. Et ce dont tu as besoin, c'est de l'amour. Embrasse quelqu'un sur le front avec amour et a blessing, bless you, enfin, ouais, bénis-le, quoi, un truc comme ça. Et fais un épelle un sort de bonne chance. Et un sort de bonne chance va s'abattre sur eux. C'est pas merveilleux, c'est merveilleux. C'est mais magnifique. Et je peux toujours pas utiliser cette putain de tronçonneuse. Bon, bref. Alors. Mais du coup, je peux ouvrir ces trucs là. Et voilà, je peux casser le. Je sais pas si l'autre j'ai envie de l'ouvrir, hein. Move ladder, limit movement, limit bill. Attends, je sais pas quoi faire avec cette échelle, moi. On va la laisser tranquille, cette échelle. Lui, il m'inspire pas confiance. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix du tout. Allez, hop là. The old man mumbled to himself. Alors, je suis désolé, je vais aller chercher la traduction sur internet. Donc, mumble, c'est marmonner. Donc, le vieux monsieur se marmonne à lui-même. Sa voix, elle est horrible. Maudit cette jeunesse, je crois. Faire tout ce que la femme dit. Elle se décide as to not realize the true nature. Je vais chercher la traduction. Ils me l'ont traduit comme étrompée au point qu'elle ne réalise pas sa vraie nature. That woman's going to cry. Non, mais faut créer un démon. Elle est encore plus folle que le docteur. Bon, peu importe. Qu'est-ce que ça devrait m'emporter, je suppose. Come again. J'ai eu un succès qui s'appelle Come again. Vous le voyez pas non plus à l'écran, mais voilà. Est-ce que je peux le slasher? Putain, non. Donc peut-être qu'il va falloir lui reparler. Ouais, mais pourquoi? Ça, on est d'accord, c'est que de la lumière. Même pas, ça éclaire rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je veux juste casser le truc en verre, là. Ah, ok, ok, voilà. Oh, je suis un génie, sa mère. Je croyais que c'était une lampe. Bon. Bon, elle a toujours perdu ses yeux. Je ne peux voir un voir. Quelqu'un, ce mec a pris mes yeux. Je peux pas casser la porte.
Je vais faire une ellipse, comme ça je bouffe pas du temps de vidéo, jusqu'à ce que je trouve enfin qu'est-ce que je dois faire. Oh! Il y a quelque chose à son pied. Eu les clés de la room. Mais il y a plein de rooms, espèce de connard. Bon bah c'est rien, hein, on va chercher la room. Pardon? Oh, quelle horreur. Cette fille était dans la cave, je peux l'entendre crier. Je me demande si cette room est connectée to the place. Putain, maintenant faut que je trouve un putain de truc pour éteindre le putain de feu. Je suis désolé, hein, je vais couper toutes les séances de recherche là, parce que c'est super pas intéressant, plus ça bouffe du temps dans la vidéo là. Le timer est arrêté. Merveilleux. Mais elle, comment je fais, elle? Eh ouais, mais elle a peur. Oh, le giga bug. Attends, attends, y a un gamin là. Il va disparaître, mais. Yeah! Cette personne avait l'air si triste. Non, le mec qui a l'air triste. Ok, il est là. Bonjour, monsieur triste. Ok, c'est là le truc de la room. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Je crois que j'allais me souffler. Je vais me moucher. Allez, on peut reprendre. La room. J'ai ouvert la serrure. C'est la chambre de Maria. C'est la chambre de Maria. Livre. Trouver un journal intime. Est-ce que ça pourrait être le journal intime de Maria? Lire le... Bah ouais. Hein. Ouais, un mois inconnu, jour inconnu, le docteur... Ça va faire un an depuis le jour que je suis venu dans cette maison, dans cette mansion, quoi. Je ne vais jamais oublier ce jour. S'il vous plaît, de la nourriture. Donnez-moi de la nourriture. Quelqu'un
J'ai besoin de nourriture. Un vagabond, ça pourrait être un excellent sujet pour quelques travaux. C'est misérable de voir quelqu'un dans cet état-là. Viens à ma maison, s'il te plaît. Je vais te donner des vêtements et des repas délicieux. Oh, c'était une vagabonde! C'est pour ça qu'elle est peut-être autant amoureuse du professeur, enfin, du docteur. Elle se régale. Culée. Elle a mis en cellule avec un autre, quand même. Reste ici pendant un petit moment. Je vais parler de ma. Je vais aller parler à ma famille à propos de toi. Famille? J'ai une femme et une fille qui va avoir 7 ans. Donc là, ça, ouais, ça fait 6 ans, je crois. Je crois qu'elle a 13 ans. La petite. Maya, Aya, voilà. Je suis sûr qu'ils vont venir te saluer. Famille. Eh oui, famille, Maria. Famille. Famille. Ah, oug, oug. Oug, oug. Est-ce que cette personne a été recueillie comme moi? Ouf, Hugues. Quelle blessure horrible. Il est en souffrance. Je pourrais faire quelque chose. Elle a tout sorti de l'étagère. Et l'étagère est encore pleine, hein, mais bon. Alors, ma jupe ne va pas être assez de vêtements. Mais l'autre seul vêtement que j'ai, c'est sa culotte. C'est sa culotte. Ou alors elle est à poil là, non? Ouais, elle s'est carrément mise à poil pour. C'est une surprise. Venant de l'article de la mort, il a fait une. Il s'est soigné d'une façon très signifiante cette nuit. On dirait qu'il a reçu un excellent traitement. Est-ce que tu l'as soigné? Oui. Ok, qu'est-ce que c'est utile? How handy, ouais, je sais pas comment le traduire, mais voilà, c'est utile. Tu es exceptionnellement talentueuse. S'il vous plaît, je... Ça serait dommage de laisser un tel talent à sa perte. Quel est ton nom? Je suis Maria. Maria, c'est un nom approprié. Maria, est-ce que tu voudrais être mon assistante? Je ne souhaite pas te perdre, s'il te plaît. Reste avec moi. Ouh. Eh bien, est-ce que tu vas me faire confiance pendant le reste de ta vie? Oui. Il allait la buter au début, hein. J'étais si heureuse que tu vous sauviez. J'étais seule, mais vous... Bah voilà, tu m'as soigné, enfin tu m'as fait du bien. Vous m'avez donné de l'amour. Autant dont j'en avais besoin, je resterai avec vous. Comment je pourrais vivre sans vous? Je vous aime, docteur. Bah, c'était une vagabonde, quoi. Et ouais, la façon dont elle a été recueillie, on peut être que reconnaissante, hein. C'est vrai qu'elle l'aime autant. J'ai jamais rien su, réellement su quoi que ce soit après Maria. À propos de Maria, après tout. Maria doit vraiment aimer papa aussi. Voilà. Mais je dois apprendre quoi de ça? Ok. Y a plus rien? Oh, elle fait des fléchettes de temps en temps. C'est lugubre quand même comme. Mais là il y a une tache bizarre. C'est étrange qu'on puisse rien y faire quand même. Bon bref, allez, on continue. Ellipse jusqu'à ce que je trouve ma vie. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois que je peux éteindre la cheminée avec ça. Oh non. C'est comme si quelque chose avait attrapé ma jambe. Yeu! Yeu! Non, non! Je vais être attiré... Ah ouais!
Mais qu'est-ce que je fais? Oh la chatte que j'ai eue. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais... Eh, cours! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? C'était des chiottes. Ouais, j'ai pas fui très loin. Hein. Bon, allez, on se retrouve dans le truc avec la cheminée. Oh yes! Ok, ça marche. Je sais pas, je me rappelle plus où est-ce que j'ai eu le retardateur de flamme. Mais c'est venu à pic. Et... je vais lui jeter les yeux. Oh, je suis un génie. J'imagine si ça lui tombait sur le crâne, ça m'aurait fait mourir. Oh la ta mère la pute! Oh, oh je te déteste! Oh, j'étais en train de me moquer, plus jamais je le fais, putain! Après, la vie est belle et les oiseaux chantent. Hein. Marielle sera plus là, ou alors elle est évanouie, voilà, pas de... Bon, alors, on les a retrouvés ces petits yeux? J'ai trouvé mes yeux? Voilà, nickel. Je peux voir. Alors, je doute que dans la vraie vie, ce soit aussi simple. Hein. Merci. Oh. Une gemme? Yes, aïe. Faut vraiment que je trouve le truc avec la meuf et de la table en haut, là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors... Hein? Est-ce que je suis pas allé downstairs, en bas de... Est-ce que j'ai pas descendu les escaliers? J'ai pété un câble. Et comment ça? Mais comment ça arrange le passage looping, là? Ok. Wesh, canne à pêche. C'est toi qui me ramène en arrière, espèce de connasse? Excusez-moi, j'avais pas vu votre tête. Est-ce que vous me protégez d'aller en avant? Oui. Je dois aller de l'avant pour sauver mon père. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous convaincre? Ah, elle va avec moi. Bon, mais j'ai une copine. Ah non, j'ai pas de copine. Je vais la tuer. Si je vais là, elle me suit? Connasse. Pourquoi vous me suivez? Oh. Vous voulez aller à la maison? Vous voulez sortir? Oui, je vois. Venez avec moi, je vous emmènerai dehors. Et laissez-moi passer, d'accord? Oh là là, mais on va faire un détour pour cette connasse.
Oh. Cet endroit. Oh, j'ai rejoint son corps. Attendez, je... C'est les vêtements de la femme ? Qu'est-ce qui se passe ? Exactement, qu'est-ce qui se passe ? Oh, je contrôle la dame. Ouais, ça va pas ouvrir. Je suppose que la dame, ça va pas ouvrir non plus. Voilà, ok, ça va être un flashback. Oh, papa ! Ne bouge pas, tu veux ? Papa ? Maintenant, est-ce qu'on devrait commencer ? Qu'est-ce que papa fait ? Laisse-moi avoir ces magnifiques mains. Papa, stop ! C'est moi ! Je peux pas parler. Oh non. Eh ouais, c'est un fou furieux. Ah, comme il est trop heureux, sérieux. Eh ouais, c'est un malade mental. Je peux partir ou faut toujours que je l'emmène de... Oh non. Elle ne bouge pas du tout. C'était pas la solution que je voulais apporter. Hein. Oh là là là. Mais quelle horreur. J'aime. Ah non, ça aurait été si simple, n'est-ce pas? Ça aurait été si simple. L'ambiance devient lugubre. J'aime et j'aime pas. Oh non. Allez, une gemme. Facile. Trop facile. Allez, du sang. Voilà, j'ai tué quelqu'un. Oh, alors toi. Toi, je te sens pas, toi. Toi, je te sens pas, toi. Un homme qui pointe... Oula. Qui pointe du doigt. Il ne bouge pas du tout. Complètement immobile. Faut que j'aille là-bas, c'est ça que tu es en train de me dire, le vieux? Et pourquoi je lui fais confiance? Allez, je fais pas confiance au vieux, moi. Je passe derrière lui. M'en bats les couilles. Ouais, la musique! C'est verrouillé. C'est le truc avec Maria. Les menottes se balancent violemment. Elles ont pas l'air d'être en état d'utiliser. Elles sont verrouillées. Mystery of Locked Handcuffs. Lampe. Petit coup de tronçonneuse dans ta mère, ça tire du bien là. Poupée. Une petite poupée. Ok. Bon, lui, je pense qu'on peut facilement deviner ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est ça? Yes. Je crois que c'est un puzzle. Je crois qu'on va faire le puzzle. Et après on arrête là parce que sinon ça, la vidéo va être super longue. Ils ont trop pas de chance, je suis trop fort en puzzle. J'ai rien dit. Je me suis rebloqué. Oh yes! Oh! J'ai eu les clés des menottes! Allez, on va te libérer, on va te libérer, on va te libérer, t'inquiète, t'inquiète. Et après, on arrête. Oh! Yeah, yeah! Pas peur. Voilà, une gemme. Il
Donc voilà, on va sauvegarder. J'ai aucune idée de comment on va faire la vidéo. En tout cas, on a largement dépassé le seuil que je m'étais promis. Donc, on va s'arrêter là. C'était cool de refaire une vidéo sur Modphaser. Ça faisait un moment que je voulais en refaire une. Je trouve qu'on avance bien. Beaucoup trop d'ellipses, je trouve, à mon goût. Mais sinon, ça risquait d'être beaucoup trop chiant comme vidéo. Mais enfin bref, voilà. Merci d'avoir regardé. Merci d'être encore là pour ceux qui ont suivi ça depuis le début. Bienvenue à ceux qui auront rejoint le Let's Play en plein milieu maintenant. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est à la prochaine. Et merci de m'avoir regardé. Bisous.